So, let's start, right? Okay, good. Okay. Wir werden wieder tanzen. We will dance again. Good evening, guten Abend. As the director of Hauhebel am Ufer, the mothership of the festival Tanz im August, it is a great pleasure to welcome you in this year's festival to this special edition, as we call it. Denn dieses Jahr ist doch alles anders als sonst. After my short welcome in German and some English too, wird unser Senator für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer, eine Begrüßung auf Deutsch sprechen, wonach ich kurz mit ihm in Dialog trete. Und die künstlerische Leiterin des Festivals, Virve Soutinen, wird uns mehr über diese 10-tägige Special Edition erzählen, in English, and will also guide us through this evening. One world, one virus, a thousand shades of harm. So bracht Bini Adamczak es auf den Punkt. Gerade im Angesicht des Virus, das in jedem Winkel des Planeten als immer das Gleiche auftritt, tritt die Ungleichheit der einen Welt hervor. Corona als Brennglas. Die Pandemie hat in den letzten Monaten nicht nur alle gesellschaftlichen Gewissheiten und bestehenden Strukturen herausgefordert, sondern auch das Theater an seine Grenzen gebracht. In seinem Text vom Virus lernen plädiert der Philosoph Paul Preciado dafür, diese Brüche nicht als Begrenzung wahrzunehmen, sondern als Potenzial für eine selbstgewählte Mutation. Das Hauhebel am Ufer nimmt dies als Ausgangspunkt, um die einst geltende Normalität in Frage zu stellen und sich für eine Reihe von Transformationen zu öffnen. Und das ist genau, was das Team von Tanz im August als Erste so großartig gemacht hat. Zusammen mit den vielen Künstlerinnen, für die das immer schon Problematische an der Normalität einen wichtigen Treiber für ihre Arbeit war. Natürlich wollen Künstlerinnen und auch wir nichts lieber als spielen und tanzen und danach quatschen und trinken und uns berühren. But hey, they and also we want to stay with the trouble and find new ways of working together, without taking risks with the audience's or artists' health and safety. And thus, in the spirit of mutation, the Tanz im August team took up the challenge of piecing together an entirely new festival that is built from proposals by the artists in the original lineup. Never before the exchange with colleagues from dance and summer festivals across Europe and artists from all over the continent has been so intense, speaking about experiences and concerns, discussing the different perspectives of international collaborations and touring, looking for new ways of working together in an uncertain future. Ein Gewinn. Vieles, was jetzt aus diesem Ausnahmezustand entsteht, wird uns bleibend begleiten. Andere Formen des grenzüberschreitenden, translokalen Austauschs tun Not. As Preciado says, contrary to what one might imagine, our health will not come from a border or separation, but only from a new understanding of community with all living creatures, a new sharing with other beings on the planet. We need a parliament not defined in terms of the politics of identity or nationality, a parliament of vulnerable bodies living on planet Earth. Die Mutation hat angefangen. Auch hier in diesem Raum, das Studio in H2, das wir jetzt ruhig das HTV-Studio nennen dürfen, und die digitale Bühne, die wir jetzt intensivst bespielen und Sie hoffentlich intensivst besuchen werden, gerne auch live beim Public Viewing auf dem Rasen vor dem H2. Ich mache so, weil da ist es. Und after the festival, look out for H4, our new digital stage. Tanz im August Special Edition 2020 ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung von vielen Menschen. Von KünstlerInnen, ManagerInnen, ProduzentInnen, KuratorInnen und vor allem auch TechnikerInnen. Hallo, ihr alle, ProduzentInnen,
deren Einsatz ist zu verdanken, ist, dass wir ein mutiertes Festival digital und analog präsentieren können, sowie auch von Schriftstellerinnen, DenkerInnen, Podiumsgästen und ModeratorInnen, deren Anregungen uns dazu inspirierten, und andere Präsentationsformen zu erarbeiten. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei allen. To conclude, we are extremely grateful to our public funders, the Hauptstadt Kulturfonds, Culture Capital Fund, and the Senate Department for Culture and Europe of Berlin, who allowed us to compensate our artists and move forward with plans for this special edition. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Klaus Lederer, und dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Sehr geehrte Frau van Ackere, liebe Annemie, sehr geehrte Frau Sutine, liebe Wirwe, liebe Freundinnen und Freunde des zeitgenössischen Tanzes, was hätte gewesen sein können in diesem Sommer 2020? Wir hätten die 32. Ausgabe des Tanz im August, des wichtigsten internationalen Festivals des zeitgenössischen Tanzes in Deutschland erlebt, wenn sich nicht das Coronavirus in unser aller Leben Bahn gebrochen hätte. Nun, wir hätten Leo Moro auf der Bühne gesehen, Boris Scharmatz, Robin Orlin. Wir hätten die Schönheit des Rikscha-Fahrens erlebt, lebendige Bilderschlachten, intime Begegnungen zwischen Mensch und Maschine und die Avantgarde des Flamenco. Es wäre der 7., nicht der 21. August gewesen, an dem ich Sie und euch hier im Rahmen der Öffnungsveranstaltung des Festivals Tanz im August hätte begrüßen können. Wir hätten uns in diesen Theatersaal geteilt, nicht die Zweidimensionalität des Bildschirms. Dicht an dicht hätten wir gesessen und gemeinsam applaudiert. Die Bewegungen der Bühne hätten uns, das Publikum, in Bewegung versetzt. Wir hätten die Gemeinschaft realer Körper erlebt, die Kopräsenz von Performenden auf der Bühne und ZuschauerInnen im Publikumsraum. Die zur 32. Ausgabe des Tanz im August geladenen KünstlerInnen wären aus ganz Europa, Kanada, den USA und Südafrika angereist. Ein Programm, eine Festivalerfahrung, die wir so nicht erleben werden. Das geplante Bühnenprogramm für Tanz im August 2020 musste unter den gegebenen Umständen abgesagt werden. Unter eben diesen gegebenen Umständen lässt sich die Entwicklung von Uraufführungen mit PerformerInnen aus der ganzen Welt und das Touring internationaler Gäste nicht vereinbaren. Das alles sagt der Kopf. Doch dem Herz fehlt all das. Die Corona-Pandemie zwingt uns alle zu Einschränkungen und das trifft die Kultur insbesondere und besonders hart. Die Krise verdeutlicht, dass Kunst und Kultur im Leben vieler existenziell ist und so faszinierend die Möglichkeiten unserer digitalen Welt, unserer digitalen Gegenwart auch sein mögen, das Publikum vermisst das Live-Erlebnis. Das geht mir ganz persönlich auch genauso. Ich vermisse die Energie, die sich zwischen Bühne und Publikum während einer Aufführung entfaltet. Ich vermisse das Wir, das im Theaterraum entstehen kann. Ich vermisse in meinem derzeit recht digitalen Alltag Gleichzeitigkeit. Den Tanz trifft die Coronavirus-Pandemie zusätzlich auch auf noch einer anderen Ebene. Die tänzerische Praxis ist ein körperliches Ereignis, das nur bedingt mit Abstand funktioniert. Sie ist maßgeblich international ausgerichtet. Neues Bewegungsrepertoire wird zumeist im Rahmen von Residenzen entwickelt, für die man an andere Orte reist. Um das Nachleben eines Stückes zu sichern, geht man auf Tour. Die Krise offenbart einmal mehr, unter welch prekären finanziellen Verhältnissen Kunst zumeist geschaffen wird. Kulturelle Ankerinstitutionen wie das HAU, Hebbel am Ufer, das seit 2013 das Festival Tanz im August in alleiniger Verantwortung veranstaltet, stärken und sichern das individuelle Wirken von TänzerInnen und ChoreografInnen. Daher ist es mir ein großes Anliegen, angesichts der Corona-Pandemie neben dem auf den Weg gebrachten Soforthilfemaßnahmen, von denen individuell Kulturschaffende profitieren, auch die divers und dezentral gestalteten Strukturen der Berliner Kulturszene nachhaltig zu sichern. Das Internationale Festival für zeitgenössischen Tanz, Tanz im August, bildet eine solche Unterstützungsplattform für sowohl internationale KünstlerInnen als auch für die lokale Tanzszene Berlins. Tanz im August ist daher einer der Förderschwerpunkte des Hauptstadtkulturfonds und beweist Jahr um Jahr in ungebrochener Innovationskraft erfolgreich seine Stellung als eines der bedeutendsten Festivals für den zeitgenössischen Tanz in Deutschland und Europa.
Was mir die Krise auch vor Augen führt, ist die Tatsache, dass sich mehrjährige Förderungen in der Kultur auszahlen. Und so freut es mich, dass die 2018 ausgesprochene vierjährige Förderzusage für das Festival Tanz im August im Rahmen des Hauptstadtkulturfonds und die institutionelle Förderung unserer Kulturverwaltung in einer Zeit ohne Planungssicherheit dennoch auch die Chance zur Verschiebung von Gastspielen ermöglicht. Und so komme ich von dem, was hätte gewesen sein können, auch kurz zu dem, was wir erleben werden. Ich möchte Wirwe da jetzt nicht groß vorgreifen, aber mit der Special Edition 2020 beweist Tanz im August einmal mehr seine Innovationskraft, auch in kurzer Zeit und unter widrigen Bedingungen ein Alternativprogramm, ein Festival auf die Beine zu stellen. Und das Gleiche gilt für die beteiligten KünstlerInnen. So zum Beispiel William Forsythe oder das Performance-Kollektiv Ligna. In beiden Produktionen wird der Tanz von der Bühne in die Körper der Zuschauenden wandern und schließlich in den Stadtraum Berlins. Das Erschließen neuer Räume ist Pflicht, wie eben erwähnt, die Körper des Publikums, den öffentlichen Raum der Stadt, aber auch vermehrt den digitalen Raum. Und um das vorwegzunehmen, digitale Streaming-Dienste werden das Bühnenereignis nie ersetzen können und doch werden sie es ergänzen und erweitern. Und dank der digitalen Technik, auch von mir vielen, vielen Dank an die ganz fleißigen MitstreiterInnen, ist es in dieser Festivalausgabe möglich, die Distanz zwischen dem Zürcher Theaterspektakel und dem Hau Berlin zu überbrücken und eine gemeinsame Konferenz über die Zukunft internationaler Zusammenarbeit in den darstellenden Künsten zu realisieren. Die Corona-Pandemie verweist uns eben auf diese virulenten Themen. Wie wollen wir eigentlich zukünftig zusammenarbeiten in einer global vernetzten Welt? Und wie können Tanzschaffende, deren tänzerische Praxis maßgeblich durch Internationalität geprägt ist, auch in Zukunft international mobil sein angesichts der Nachhaltigkeit und der Maßgaben des Infektionsschutzes? Und damit stellt sich auch die Frage nach der Digitalisierung unseres Lebens. Wie viel Digitalisierung verträgt eigentlich jeder? Wie viel Digitalisierung vertragen unsere Sinne? Wann verbinden und wann trennen uns die digitalen Möglichkeiten voneinander? Ja, Tanz im August 2020 wird uns nicht zusammenbringen, jedenfalls nicht in einem Theatersaal, und wir werden kein Wir hier und jetzt und an diesem Ort bilden. Und doch bilden wir es im virtuellen Raum. Vielleicht erreichen wir dort Menschen erstmalig, erschließen uns ein neues Publikum. Das wäre meine große Hoffnung, durch die Möglichkeit des digitalen Streamings Menschen zu erreichen, die bislang vielleicht keine eingefleischten Fans des zeitgenössischen Tanzes sind, sondern denen der Besuch einer Tanzveranstaltung bislang eher fremd war. Das könnte die Digitalisierung ermöglichen, Zeiten und Räume zu überbrücken und womöglich auch Berührungsängste zu überwinden mit einer Kunst, deren Sinn in erster Linie in der Sinnlichkeit liegt. Ich jedenfalls freue mich darauf, dass durch die digitalen Adaptionen des Tanz im August-Programms auch die Arbeitsprozesse hinter den eigentlichen Vorstellungen gezeigt werden. Einblicke, die im normalen, im klassischen Aufführungsformat doch zu oft im Verborgenen bleiben. Die 32. Ausgabe des Festivals Tanz im August erprobt neue Räume und zeigt, getanzt werden kann analog, digital und nicht zuletzt in der eigenen Imagination. Ich wünsche uns allen nun einen berührenden, einen ganz besonderen, schönen Eröffnungsabend. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Damit sind wir fast geöffnet. Ich habe so diesen Begriff von der Mutation so nach vorne gebracht. Und ich würde dir gerne mal fragen, welche Resonanz dieser Begriff bei dir hat. Und vielleicht auch daran, ich gebe schon eine Richtung vor, was ist eine gewünschte Mutation für dich als Senator für Kult, Kultur und Europa? Also ich habe sofort an den Begriff Transformation gedacht, den ich mit solchen Prozessen verbinde, weil beim Begriff der Transformation, eine Mutation geschieht gewissermaßen von alleine. Eine Transformation muss bewirkt werden. Und es geht ja darum, einzugreifen, gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Und das fängt eben an bei all dem, was wir jetzt gerade auch erleben, was vor der Krise schon nicht funktioniert hat. Und der Wunsch nach der Rückkehr in eine Normalität sollte aus meiner Sicht nicht der Wunsch Zurückkehr in eine Normalität sein, die vorher schon nicht funktioniert hat. Also denken wir an die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen vieler Menschen, älterer Leute, die wochenlang, monatelang im Grunde in Isolation waren, derjenigen, denen Beifall und Applaus gespendet wurde, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen aber nach wie vor keine besseren sind. Die Leute, die in den Tönnies Fleischfabriken die Schweinehälften zerlegt haben und dergleichen mehr. Also es geht nicht um moralische Anklage, sondern für mich geht es eigentlich darum, Menschen stärker in die Situation auch zu versetzen und zu empowern,
einzugreifen in diese gesellschaftlichen Zustände und manches des Aufatmens über die Entspannung, von der wir nicht wissen, wie lange sie anhält, war mir fast schon ein bisschen zu viel Aufatmen, weil wer spendet heute noch Applaus, geschweige denn redet darüber, was eigentlich alles schiefgelaufen ist. Ja. Nur im Gesundheitssektor, aber auch in vielen anderen Sektoren. Also du würdest das Motto von der chilenischen Widerstandsbewegung unterschreiben, wir wollen nicht zurück zur Normalität, denn die Normalität war Teil des Problems. Das Richtig. Können wir aufrechterhalten und gucken. Noch eine Frage über Internationalität. Das Festival Tanz im August ist in sein DNA ein internationales Festival, so ist es auch gegründet worden in 89 und das tat auch Not damals, um die Stadt zu öffnen. Wir wollen natürlich anders international arbeiten, auch wegen Klimanotstand. Zugleich wollen wir nicht nur uns zurückfalten auf unseren eigenen Nabel sozusagen. Wie siehst du das als vor allem Senator für Europa, wie diese Internationalität irgendwie aufrechtgehalten werden kann? Also es wird immer auch Begegnungen zwischen Menschen brauchen und in einer globalisierten Welt ist es schlechthin nicht denkbar, dass Menschen einander überhaupt nicht mehr begegnen. Aber in Berlin ist man eigentlich auch schon, die Hälfte kommt. Ist man in einer wunderbar internationalen Stadt, aber schauen wir uns um, woanders ist der Trend eher zu Gleichförmigkeit und Homogenität. Für manche Dinge wird man auch gegebenenfalls auch den Flugverkehr brauchen, aber man muss halt nicht wegen jedem Geschäftstreffen, genauso wenig wie wegen jeder Vorabsprache für eine Probe durch die Welt reisen. Aber natürlich ist es auch zukünftig so, dass Künstlerinnen und Künstler einander begegnen müssen. Mhm. Das wird auch stattfinden, aber wir erleben es ja selbst im Augenblick. Ja? Also in meiner Verwaltung war Digitales und Homeoffice so eine Geschichte, das hat man mal gemacht in der allergrößten Not. Jetzt haben wir in der Not begriffen, dass man aus der Not auch eine Tugend machen kann. Ja. Und vielleicht fangen wir an, einfach etwas intensiver zu reflektieren, was ist wirklich nötig und was ist nicht nötig. Das meine ich mit Mutation, dass wir uns gleich so langsam ein bisschen mutieren in so eine neue Zeit. Sehr gerne. In einem Satz, was ist Tanz für dich? Tanz ist für mich Sinnlichkeit, Tanz ist für mich etwas, was auf mich überspringen muss. Und das hat bisher auch immer funktioniert, wenn ich da war und nächstes Jahr wird das auch wieder funktionieren. Aber Virve wird uns bestimmt auch das überspringen lassen, auch mit dieser Special Edition. Virve, danke Klaus, wir hören jetzt gerne Virve an. Okay. So, Dr. Klaus Lederer, dear Anna-Mee van Akkere, the captain of the mothership, I would say. So this year's festival, Tanz im August, it is truly a special case. It is an experiment into how to stay relevant and how to stay connected to our audiences in this new time. It is also an experiment of how to produce an international festival with social distancing, with traveling restricted or altogether banned, when premieres are cancelled and tours have fallen apart. Pretty much everything we are dependent on to put together an international festival. So this year's Tanz im August is, as I said, an investigation. It is an investigation into the ways of moving forward into this new reality, moving into this unknown, moving into that unknown together, together with the artist and together with you, dear audience members. We have, first of all, when we were doing the program, we prioritized the security and safety of everyone. This is why we took the early decision of not to have performance in closed spaces. This doesn't mean that the game was over. We normally, Tanz im August receives end products. We are presenting works that are already premiered somewhere, coming from somewhere, and have finalized works. This year, we did the opposite. After the original lineup was canceled, we commissioned. We started producing. We built digital and physical environments like never before to be able to accommodate the proposals coming from the artist. Together with the artist, we have worked to test new formats, how to keep up doing what we do in this new reality. This means we are all throwing ourselves into deep end of the pool, not quite knowing what is ahead of us.
We are totally out of our comfort zone, but we do our best to be with you for 10 days in this festival. And by knowing that this is by no means a substitute to what could have been. This is not a substitute. This is a whole new festival, and we might want to make this festival happen as something special, something memorable. We are presenting artists from the original lineup and many more who joined us afterwards. We are proud to present 40 different artists coming from all continents, and this is quite a bit of work that was done in the last couple of months. We are presenting the program in two different lines. Two different lines that highlight artistic imagination as a powerful force in this present situation. The first one is Meet the Artist. This is a series of events presenting artistic contributions online and in public space. Here, artists give us a rare insight into their practices. They take us into their studios, into their processes, and let us understand where the things that we value so much on stage are coming from. This year, the audience members, dear audience members, there's work for you to be done also. It is you who have to move this time. It is you who have to dance, and you can do that either home or in the outdoor. It is really a special way to connect to the artistic practices and ideas. And it is up to you this time to interpret the scores, follow the instructions, or just, if you wish, lay down and let dance take over your imagination. The freedom to reinterpret and recreate is there for everyone this time. This year's festival is an exceptional show of collaboration and building trust. This trust has been built between us and our funders, between us and our artists, who we worked closer than ever, and between the whole sector. The way festival community has been working together in solidarity to be able to support the artists in these hard times is exceptional. And if that is any indication what the future will be like, I don't think we need to worry about a lot. I do hope that this new collaborative, less competitive attitude can benefit the whole sector in the end. There's one line of thought that I would like to leave you with, and it is something that has followed us from the beginning of the process. In our discussions with the artist after the cancellation, and in many other discussions, the process of listening came up. Time after time. It became the red line that we followed putting together the festival, the act of listening. Not just to listen, but to actually improve our listening skills. Reflective, empathetic, and active. The future might be unknown, full of surprises, but we are positive about that the answers, they can only be found together. One thing we know, the future of performing arts, it should be more inclusive, more accessible, and its diversity considered self-evident. I would like to invite everyone to think of special edition as a necessary exercise for the future. There are already takeaways from this experiment. And in the coming days, we will learn about how to be better, for sure. How to better serve the needs of our widening audience. As you know, every experiment has its ups and downs. We are truly diving into this with open arms. Tonight, we meet here in the Tanzim August studio. And this will be where we are every day. We meet here in the beginning of our program, and we will say goodnight to you from here. We are located where Bibliothek im August used to be. So we are upstairs in Hall 2, and where the restaurant used to be is now the bibliothek. So because the bibliothek has been a big part of our intellectual discourse in this festival, we are very happy that it's up and running
for the festival every day from 4 o'clock till 10 o'clock in the evening. You might want to look at the restrictions in our homepage, but pretty much it's open every day, and the books there, which can be seen behind me if the picture becomes a little bit bigger. Some of the books are here with us today to show that the fun thing that we can connect moving artists and moving bodies into literature and literal references. So with these words, I would like to ask you to join us, have an open mind, have a jolly time, and 10 days full of program. You are so welcome to Tanssimagus this year. And I think we take a little drink. This is for you. Happy festival. Happy festival. Special edition. Thank you. It's going to start. Cheers to everybody. Session. Yes. And now we go straight into what the studio will look like every evening. Away with the champagne classes. Now it's going to be hard work. And our first guest in the studio is coming from Ligna. So Ole Fram will be with us in a moment. He will be actually here in the studio with the distance talking to me about their new work. And after that, we will have Jamil Olavale-Kosoko, straight from Philadelphia, online, and he will tell us a little bit about his new work that will be with us on Sunday. So stay online, come back, take a little break. We'll be back in a bit.
So welcome to the studio. Ole, you are our very, very first guest. I'm pleased. So Ligna, a German company, is opening our studio. So I'm very happy to have you here. Despite that, you just had the premiere of the work that we will have in Berlin, Dissemination Everywhere. We will discuss more about it later. But at this point, I think we would like to show the short trailer that just came from Zurich, yeah. The Theater Spectacle, where this premiere was on 16th of August. Can you hear me? 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 Sie hören nicht allein. Close your eyes. Diese Stimmen choreografieren die folgende Stunde. With your eyes closed, slowly take a step forward. Forward and backward. Stimmen, die Sie mit Ihrem Körper auffangen. Right, right, to left, left, left. Auf der Suche nach einem globalen Körper, der nicht einer ist, sondern viel. And try to tap on your left leg in contratempo. Then, starting from the floor under your feet, feel the vibration that will slowly rise through your body. Your knees shake, your hands start to rise. Arms are now straight up, palms forward, vibrating, strong. Eine schutzlose Geste. Pause. Alle Muskeln arbeiten an der Pause. Let's think about ourselves and know the people around us. Throw those shoes into the air as high as you can. What has changed? Ihre Körper sind durch geheimnisvolle Fernwirkung miteinander verbunden. What has changed our dance? How does it look to you to see it now from the For sure, it's a movie. It's always a big difference between the space and the experience when you listen by yourself and are related to the other people, like in the one scene where they dance together. Mm. So that's for sure now became an image and a kind of advertisement or something like this. But I'm quite pleased because it's so... I have the impression that people are very in it and really that the performance opens a new space for them, which where they can get at least some agency together again in this situation where you can't be an audience anymore in the traditional sense. Mm. So this is very, very nice for us. Yeah. And especially I'm very, it's hopefully... was visible how different the approaches were and that they, how they at the same time come together in this one space or in this different spaces, which because it's not only one space, it's I think a lot of spaces. Yeah, it's layering a lot of realities because there's different voices. Let's go to the beginning. So Dissemination Everywhere. Let's start with the name. No, sure. Actually, Dissemination or dispersion was,
for us the kind of starting point of our work. Mm-hmm. So even our first works worked with a dispersed audience in public spaces as a kind of empowerment to do things you can't do alone. Mm. And also for sure as a critique of the classical phallogocentric order, mm-hmm. for sure. And radio was a good means to do that. Mm. But actually for the last 10 years, we didn't take too much thought about it anymore because we did it and it was there. But during the lockdown, we realized, okay, it's now a different situation. The theaters are closed. It's not possible to use the stage anymore. And the public spaces there, and especially not used during the lockdown. So we were kind of, okay, it's... and for sure, yeah, we had the social distancing as a kind of rule, and where we thought, okay, there were so many people against it and say, hey, that's a bad thing, or the mass is now dispersed and can't do anything anymore. And we were saying, no, that's not true. We said that 20 years ago, we will say it again, or try to say it again, but in a different way, because this is, I think, the first work where we worked with so many other artists together, which also came from the lockdown, where we had the impression that since the borders are closed, we have really to cross the borders. Mm. That was really the main desire. Yeah, and you found this way of inviting artists from all over the world to participate in a common structure, where they had the freedom of giving instructions and then sending it to them, to you. And how many artists did you have? 13 in it's the end? 13 artists, but 12 positions to say. So 12 countries or 12 cities where they're from. Right. And so they are all sent you little audio clips of instructions of what the audience should be doing. Yes. So we gave them a kind of frame, also content-wise, like what the questions are we had. So how are the bodies or how... change dance or change the bodies during the corona time, and how does it change, and especially how to establish a different solidarity, or if we should think about a different way of acting in solidarity. But what they were doing, it was for sure their own decision. Mm-hmm. And then we had, actually we didn't edit too much. We had to bring it in a line and had to discuss with them sometimes. Mm. But and this was because they were also in a way dispersed. So the piece is gathering all these different positions, all these very different concepts of dance, of performance, which is, I'm not sure how people who are reading it, but for us it was great to have this very different approaches where you think, they are, in a way, they are not in this, they couldn't be in the same piece in a way, but for us, it works well, and very, very, and it's an interesting experience. Very dense in a way, so it's like an hour, but you feel it more like 45 minutes. Right. Well, it looks like from the video clip that the audience was really into it, that it wasn't too hard. It's not choreography that everybody cannot do. Is it for everyone? That was one of the preconditions we told them, that for sure it's the audience. They are not trained dancers. Mm. It should be simple, and at the same time, it can be conceptually difficult. Mm. Mm. So it's really, I think, it doesn't have to be too simple. But for sure, you must. The main thing was really that people could listen to it and understand it in a way that it's not boring. Because when you don't know what to do, then you stand there and say, "I'm just standing." That's no use. But more really to take into consideration that the audience is there and related to the voice, which is not there, and which is an intimate situation because you have the headphones, you are with this voice, you are becoming, in a way, the dancer, but in a way, so it's more like that you always can decide, no, I can't do that. I can't go on my knees. No, I cannot. But at the same time, in the very beginning, Ben Girard from Australia saying, this audio is meant for all bodies. Mm. And we take this very seriously. So we put it in the beginning that we say, okay, it's always when you can't do, it's no problem. Yeah. You can always try to find how to relate to it and how to relate to the situation. Yeah. Yeah, I was trying in my speech today to underline that power that the audience members have this time to really reinterpret
the instructions. Yeah. And if they are anarchists, like some people are, they can just, throw the instructions away and no, find sure. their own dance. Yes. But it is kind of a way into your own body in this very special yeah. moment. How do you feel it yourself? Like you were saying, we were reaching out for people because you wanted to know how they are experiencing this time in their bodies, in their different societies. How do you feel about that yourself? Concerning the concerning the pandemic and the isolation and the social distancing, because this was one of the starting points for your piece. Yeah, no, actually, which for me interesting is that most of the artists didn't relate to their specific situations, which were in most countries much more horrible than here. So in South Africa, they had a very long lockdown. Yeah. The condition in Brazil is well known, but also countries like Japan are difficult. Mm-hmm. But they were really more translating this into a bodily experience, which I find very compelling, because you are there and you know in a way it's not only about your body now, but also in this relation to the situations in the world, to these voices which can't travel, or only can travel now by audio and by mail, but not really, so that people cannot come here. Yeah, it's interesting. I wonder if there is big differences how people experience this in different cultures, and I'm sure they do. It was clear for us in the beginning when we started calling the artists that the most prepared artist for the crisis were the people coming from those countries where the crises are coming one after another, mm-hmm. instead of us here in the Western world, we're quite safe thinking, we can do it, we just wait and this will go over, we have never experienced mm-hmm. anything mm-hmm. like this. Yeah. So then we had to very fast act and start to think, what can we do that doesn't put our audience or our artist into danger, mm-hmm. but still being able to support them yes. and be there for them. If nothing, but a sparring company, partner, to have somebody to talk to and, be engaged by somehow, like mm-hmm. just do something. Because yeah. the worst thing is not to do anything. Yeah. The whatever we do is better than doing yeah. nothing. When did you realize? I mean, we were very happy to learn about this work and work together with the other festivals to make this happen. When did you come up with the idea? How early on did you realize that you have to? So actually, you might have a chance to do something. Friends of us asked us really very in the very beginning of the lockdown already, hey, this is a situation for you. You should do something. And especially the starting point was that there were a lot of demonstrations for the refugees and against the camps at the borders of the European Union. Mm. And they were very repressed in Germany. Mm. And so we thought, okay, that's bad, and we should yeah. perhaps provide something. Yeah. But then there were also these kind of anti-corona measurements demonstrations in Germany, which were kind of very strange. And also people from the theater scene participated and used it as a new stage, which was even more scary. So it took really like 2 months so many events happened so fast that we realized, okay, we have to slow down. We shouldn't relate immediately, but also find a different way of and then in April, we started to think, to realize that we also shouldn't do the work alone. So we need, in a way, help. We need this kind of communication. We need different voices. We need this coming together of voices which talk with each other in a strange way. So for example, it was very interesting to see how several motifs or especially gestures came up once and again. And without being too repetitive, but really that's was obviously a kind of unconscious relation between the different contributions. Which was a great experience, actually, to see that there's something common, even if it's very different. Right, yeah. And so this will be in Ufer Studios tomorrow. Yes. We have a rain check, unfortunately. If there is a bad weather, we cannot do this dance together tomorrow if it's raining. I am afraid. You can bring umbrellas. So. You can bring umbrellas. Maybe we have an umbrella revolution in the in the Ufer Studios.
That was also a very different, difficult thing, because for sure, when we started the project, we wanted to do it in public space and really as an intervention in the public situation to open a different space in a different public in the discourse. Mm. But for sure, now there are so many orders and things are changing so fast that we thought, okay, now we are kind of happy to have this kind of more secure space where the audience is really with itself and can experience itself as an audience. Yeah, I think now is the time to really look all possibilities. It's like, again, if we cannot enter the public space, then we rather enter a semi-public space than not do anything at all. I mean, this was the choice that we had to do. Yes, just to be able to engage our audiences and show that, yes, something is happening. And we were very happy with your proposal also, because one of our first instincts was that we will work with the minimum risk. And the minimum risk proved to be quite a challenging limit for us how to work. But I think limits are always good, because they really make you push you out of your comfort zone and think out of the box. And this is why we are in the studio today, which is it's like imitating community TV or something like that. So it's something totally different. And also, we were very happy that there was this solidarity aspect in it, because we were also looking for ways to support artists from far who are in much, much worse situation than our artists, who don't have the safety nets. And and this became clear in this process too. So we were very, very happy to... Yeah. To do no, this. We are also very glad to have this kind of practical solidarity, also to distribute money, to really, to change the situation, because for sure it's here we have in Germany there is at least some support from the state, but in so many countries there isn't any support. So it's really and we are codependent. Well, the one doesn't exist with the other, so it's good that we could at least in a very little way, and it's never enough, but but just for the sake of it, to be in contact and try to create something positive out of this these times, which have some negative vibes around us now. And then at least to experience this interdependency or this relation to each other, even if they are far away, there's this relation. I think this is a very important thing for the future, because for sure... The nation states have no interest to do that. Right. So I think there's a different movement necessary. Exactly. I think this is one of the takeaways from these experiments, that we realized that there is things that we could have done also before, but we have prioritized otherwise. Yes. So it is time for new priorities for sure inside the performing arts. Yeah. So the future is full of... challenges, but full of chances also to make things better and more fair. Hopefully. So thank you so much for coming. Thank you for inviting us. And we'll see you tomorrow in the Ufer Studios. And now we will take a contact to Philadelphia, where Jamil Olavale-Kosoko, a Nigerian-American artist, is waiting eagerly to join us here. He will have his online event on Sunday, so we will talk briefly about it now. And maybe Jamil is there already. Oh, my God. I'm here. You look I'm good. I'm waiting on you. I wore my good number for this. Oh, I feel like I'm not dressed enough for you. I did put some golden earrings, so... I mean, you know, you do have a lip. I appreciate a nice lip. You know thank that. You. Yes. So, how are you doing? We are eager to, you know, to see what will happen on Sunday. Can you tell us a little bit, our audience who might not quite know what it means when they enter the American Chameleon Living Installments 2.0? Sorry. That's... Oh my God! No, I made a mistake. Step it up a little bit. No, you're fine. You're fine. American Chameleon. I guess what can I say for folks? It's in a lot of ways it's an experiment. You know, it's an expose. It's very much an invitation into my interiority in a lot of ways. You know, I make so much work that is very personal and
as a way through the personal, through this, you know, this kind of interiority to speak to, you know, larger socio-political issues. And it just felt, like the perfect time, really, to share this work, to share this particular experiment that I'm calling American Chameleon, very much a kind of extension from my podcast, American Chameleon. And yeah, it's a way of sort of enlivening and creating a larger sort of global community around, you know, this idea of what it means to be a chameleonic body as a means of survival in the world. Yeah. When I was in New York in January, I was privileged to witness the original idea, the performance that this is based on. And we were looking forward to bring you over. But yes, as things are as they are, so here we are. But you were very, very quick to go from stage version, which had a different name, and I'm going to stumble in the second word. I can help you with it before you stumble. Yeah, do you want to say it? Sure. Chameleon abiomythography. Right. Yes. And this was partly biographical material, film, multimedia performance with poetry, really, really beautiful, already in January. And then you very fast moved from theater into the online world. Can you tell us a little bit what and why and how you came into this conclusion that you can put this forward in a totally different way? Yeah, I mean, it was a pivot, but the work had already been existing inside of a kind of multiplicity. You know, whenever I take on a project, I am trying to think about a number of ways that audiences can engage with the work. So whether it was the podcast or the visual album or the live production or the syllabus, I try to think in a myriad of ways that ideally will allow folks to experience the work however they can. You know, I never take for granted that, you know, only a theater-going audience will engage with my work or my practice. You know, we live in the 21st century, and themes of digitality at the intersection of theatricality and reality, but, you know, this sort of digital theatrical sort of union had been a question and a sort of mode of experimentation that I've been working in, you know, ever since, I mean, actually before hashtag Negrophobia, but it really sort of began taking shape, you know, when we made the European premiere in Berlin in 2016, at Tons in August. And so these have been questions that I was already inside of and really sort of grappling with. And so transitioning the work into this sort of online format, it only really asked me to consider another part of myself. You know, not even another part. What it did was ask me to pull together all the various parts of myself, really. And when I say that, I mean the educator, the curator, the poet, the performer. I mean, it really kind of is asking for me to use all of my chops in all of these different arena and just pull it all together and create a sort of a proposal that hopefully, yeah, will be important and people can really, you know, learn something and feel something from. That's my intention. And this event will be on a gaming platform. People have to download a gaming app, Discord, to join, Discord, to get the full experience of it. To get an experience of it. Well, I was told I have to go to Discord and not, because you can also go to YouTube and look at the stream.
But to be able to be interactive, to really understand that you can engage as an audience member also, that this is available in this format. Yes, of course, of course. And Discord sort of came into the being because Zoom, I had just had, I was experiencing a huge fatigue with Zoom chatting and just as a format, and so I knew, like, whatever I do, I wanted to concentrate in sound and voice and in listening, you know. And so that's how Discord came into being. One of the engineers that I was working with at Impact, Ryan Jenkins, suggested that we use this as a way to just communicate during a technical residency. And I was like, oh, I really like this. This can be something else. This can be something more. And so we kept working on it, and it became an amazing opportunity to work literally cross time zones, cross various regions, and allow folks from, you know, from LA to New York, and other parts of the globe to engage with us in real space and time. Well, not real space, but a kind of, you know, alternative digital space and time. And it's been an amazing, you know, an amazing ride, to say the least. And it was a lot of work, and I'm really appreciative. I just have to say that I know your team and the team at Tons of Mulgas and how is working tirelessly to do this thing. So I'm so appreciative. Well, I have to say the learning curve is quite deep here now. We are learning new things by the day, but it's all for the better, I would say. It's called Second Edition. What is new in this, if there's any online now listening to your talk, who were there for the first time, so what would be different now in the second time? What's different the second time? Well, there's everything, really. you know, the first installment really centered on themes of the environment, Earth Day. It really was sort of, I mean, we were just wrapping our heads around what this COVID reality even meant, and what the implications would be. Quite honestly, I was recovering from a nervous, we'll call it a nervous breakthrough. And so there was just a number of, like, intersectional grievances, really, that I had been experiencing and that I think many of us were trying to make sense of. You know, I thought the apocalypse had arrived. I thought the world was ending. I just didn't know, you know. And so I was scared out of my wits. And it was really creating this project in a lot of ways that not only that, you know, it kept me sane, and also really gave me something to, I mean, just to move towards, really. You know, because when you feel as if literally, you know, this would not be the first time for me that death had sort of looked me straight in the eyes. And so, you know, trying to figure out, you know, how do I find a way to move forward, you know? And this is coming, you know, I lost a friend, you know, my dear friend Marcus White, from this, you know, and it was a lot happening in this moment. And so the work really became a way to delve in, to collaborate with this amazing team, and really center themes of the earth and the environment, and listening. You know, what does it mean to kind of engage in this global gesture of listening? And so, you know, that event, it was awesome, and it happened, and basically we've sort of taken that as a sort of beginning point, and we've expanded it. So, you know, with the premiere that's happening on Sunday,
You know, I have the pleasure of being in conversation with Ebony Noel Golden, who's someone who I absolutely adore. Mm. We will have a conversation on memory and what it means to remember, you know, as we think about and think through the International Day of Remembrance and the abolishment of the of the transatlantic, which is Sunday. So this is the Sunday when we are doing the event. Is the it's the International Day for Remembrance of the Slave Trade and its abolition. So it's a very special day. And it's a special day thinking what's going on in America now with the Black Lives Matter. Maybe the elections will give us some hope. Let's hope so. I mean, all we can do is hope, you know? That's what, if Americans can do anything, they're they are very good at that. Yes. I'm really good at hoping. That's the truth, you know. Yes. So yeah, so we're gonna hope. But I just wanna say, you know, not only is it an important day, but it's important that we remember this entire month, really. Mm. You know, this is known as Black August in various parts of the world. And it's known as Black August because there were so many and integral events that took place, you know, in the month of August, you know, from the moment the first ships carrying enslaved Africans arrived in the U.S. in 1619, you know, in August, Nat Turner's Rebellion in August, the March on Washington in August. I mean, there's this, you know, the government, the U.S. government literally dropping bombs on people in Philadelphia in 1978, in August. And so, you know, this is a deeply important and spiritual moment, you know, in Black life. And I just think we have to, and world cultures, you know, that we know that. So I just wanted to hold that up and hold space for that as well. Yeah, we are very happy that we come together in this special day. And as said, like, we cannot be here live together, but somehow through this, we're really connected very wide and reaching out to people that who wouldn't otherwise be reachable. So it has its ups and downs. But I mean, the good thing is that that we're still here, and that you put so much energy into doing this work, even we failed to be the work that was planned for so long. I feel like we were waiting for this work to realize. Seeing a few times the works in progress in the last years, I was so much hoping to be able to bring it. But such is life. And this event is going to be 3 hours, 2-3 hours long. We are asking the audience to really look into our webpage to see how to get in. If you are insecure, you can also, I think there's a rehearsal tomorrow, which means that you can practice. None of us can do this without practice. So you can practice how to move in Discord tomorrow outside the context of the performance, and so that you are fluent in this when you go online on Sunday. But as said, for those who don't have this possibility, it's also available in YouTube as a stream. So both versions are available. So good to see you, Jamil. I also want to say, though, briefly, though, that this is also the world premiere of my new film, Chameleon. Exactly. I thought I asked about it. Yes. So that is the new thing, is the world premiere of that film. Yes, lovely. That's so great. So thank you so much for joining us, and thanks for dressing up for us. It's an opening. You are properly dressed for it. I came ready. I try to come ready. I have my glass. And you can't see my glass. We can and we cannot. Oh, your glass. Okay. My glass, and I'm just, you know, I'm gonna exist. I'm good. I'm safe. I'm on my virtual island, and I'm gonna enjoy the festival. Okay, so lovely. See you tomorrow and on Sunday, and be safe in your island. It looks really great, though. Wish I was there with you. I'm about to jump in. Lovely. Know.
Yeah. So thank you for this chat, and take care and be safe, and we'll talk later. All right. So here we are, moving on. So this is program on Sunday, and more information you can find in our homepage. And I will do a short introduction for our first Meet the Artists session that is today, happening at 9 o'clock. So we are like 10 to. I can see the clock ticking over there. So it's the very first Meet the Artist, and it is by Ajelen Parolin, Argentinian choreographer, dancer who lives and works in Brussels. She was supposed to be with us with WEG, which is her big group piece for 9 dancers. We are very sorry we missed this opportunity to see this lovely piece. She decided to make a documentary about the process of WEG. And we will see tonight the film After WEG, Memories of Creation. This is a 10-minute film. After the film, we have a pre-recorded conversation between Ajelen and some of her collaborators. Namely, and most importantly, there is a discussion conducted by Edith Berthol, who worked as audience curator in Théâtre de Liège. And she is moderating this discussion between Ajelen and Pierre Dobie. Pierre is a professor of physics, and they will open a little bit about how, in the beginning of the choreographic process, they were looking into the scientific concepts of mechanics, I have to read from here, fluid dynamics it is, and biophysics, and taking those scientific terms into the choreographic process and playing around with them. So we will hear this discussion. This discussion is 40 minutes. After that, we come still to studio to do some housekeeping, which means we will have you some tips and introduction for the coming day's program. So stay in tune and enjoy the film. J'ai fait la musique de la pièce, j'ai travaillé sur un piano, qui est mon instrument, un piano que j'essaye de modifier, un piano que j'essaye toujours de lui donner une place comme un objet aussi, et pas seulement comme un instrument musical. C'est un piano préparé. J'ai utilisé des CD pour mettre entre les cordes de l'instrument, des CD et des disques de vinyle. Donc après, j'ai rajouté en plus des CD et des disques de vinyle, les boîtes de CD aussi entre les cordes, mais aussi des pièces de monnaie, des 50 centimes, d'un euro, de 12 euros. Donc il y a des boîtes de CD avec lesquelles j'ai produit aussi des sonorités sur le bois du piano. Et il y a aussi des perches que j'ai trouvées dans la salle de répétition. Mais tous ces objets qui apparaissent, ils ont marqué un chemin performatique, si vous voulez, et dramaturgique dans la performance musicale. Already in the laboratory, the lab, we were working with each individual like pilgrimage or path or trajectory, and trying to have this complexity of all of these different individuals doing their own different paths, all happening at the same time, and this creating some kind of chaos, but then it's organized. Moi, je me rappelle quand on avait passé l'audition pour la pièce, on avait fait toute une improvisation et qui s'était terminée par on était
on devait parler du fait d'être un groupe et tout ça, puis on avait chanté la chanson We Are Family. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté un peu. Je ne dirais pas qu'on est une famille, blablabla, mais c'est quelque chose qui est resté. Et du coup, il y a une espèce de relation de complicité qui se fait beaucoup par le regard et puis dans le mouvement aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ça, de la complicité, d'un chemin. On aurait tous un chemin différent, mais pour aller tous au même endroit. I think we're all a bit in our own world, let's say, all the dancers, all the performers of the piece, we're all in our own world, but somehow it gets connected to each other. I don't know really how and when and where, but there is something who's connecting us all. I don't know if it's maybe in the work that we were working with the same songs, but everybody has his own type of movements, style of movements, which is very particular to the persons and to the performers itself. I think the piece for me, it really speaks about joy in general, and there's some animalistic or Dionysian energy in the piece, which I feel it's very vibrant, and to perform it and to watch it. I don't feel there's any pretentiousness or trying to be together or look good or that it's all too serious, but it's really everyone is diving so much into their own trajectory in the piece and connecting with each other and having fun. It's the freedom we just said, that I feel there's so much freedom and that we can connect all so much together, which often I find that in a piece it's very established or set within rules, and I feel in this piece we do have a score or we do have rules, but there's so much openness to play. Je me suis souvenue de beaucoup de scènes où je faisais la chanteuse ou la danseuse. M'est revenu des chants et des chansons que ma mère écoutait beaucoup. Et je pense que ça m'a ancré dans un endroit très spécifique pour générer du matériel. Avec des chansons de Dalida, de Barbara, de Donna Summer. Beaucoup de chansons d'amour très dramatique en fait, mais que je voyais avec mes yeux d'enfant. Il est d'avoir les yeux mi-longs, il est fait doux, comme un enfant, oh, comme un homme. J'ai mis de l'enjou dans sa chave, un peuple danois le sommeil, ça le fait rire. I remember this week when we were, Ajlem proposed us to bring something to the group. So this was like one of the very first weeks of the creation to get to know each other. And she also asked us, what do we really want to do? And I really wanted to lip sync to dramatic power ballads. And so I suggested we start to lip sync to Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. And it brought out this intense passion from a lot of people, and it was quite a big release. The simplicity in putting a song on at home and to just let your body do the rest, or just let it just be. And I think that for me was nice to work again on it, because during the work or during life as a dancer, sometimes you just lose the simplicity of just having fun with just dancing and just spontaneously. So that was nice to go and to work on that. The first exercise which we did, I think, was that we started by singing songs to ourselves and we started dancing to them. And the moment that there's another song coming up in your head, you just switch and you try to take it and immediately have fun with it for yourself. So actually, in your head, it just becomes a mashup or a mix of songs which you're starting to dance to and try to have fun with it. Okay, we started.
Pour moi, un des exercices clés pendant la création, ça a été... Achalé travaille beaucoup avec le chamanisme. Et on a eu tout un exercice de tremblement où on devait passer par quatre positions différentes qui étaient la position à genoux, la position recourbe debout, je dirais recourbée du dos comme ça, et allongée. Et tout en étant dans un mouvement de tremblement très binaire comme ça. Et pour moi, ça a été un exercice qui était très important et décisif dans la création de mon matériel. Parce que, en fait, par ce tremblement, et, j'ai atteint un stade de lâcher prise dans ma danse. Et ça m'a aussi permis en fait, de comprendre là où HLN voulait nous amener, peut-être, dans cette idée de la transe et de laisser le mouvement faire le travail plutôt que de faire le mouvement. J'ai l'impression d'être ce personnage qui navigue. Qui prend un petit peu les bateaux des autres performeurs qui vient s'accrocher d'un à l'autre et qui se laisse un petit peu naviguer de cette manière dans l'espace tout en restant connecté à quelque chose de très interne en tant que générateur de mouvement. Donc j'ai l'impression d'être liée aux autres par l'espace et par les regards et en même temps d'avoir ma ligne personnelle qui est peut-être... caractérisé par un mélange de mouvements qui pourraient être assez agressifs ou violents et peut-être des mouvements très doux. Et j'ai l'impression de passer d'un registre à un autre avec cette même joie, en fait. Alors moi, les ponts que je peux faire avec la création de Ware et ma recherche personnelle, ça serait l'idée de créer des narrations qui sont éphémères et très brèves, qui apparaissent et qui disparaissent très rapidement. I tend to be quite serious, and this is what I liked, that in somehow in Weg I could really connect it. But there was so much more joy and I think more openness for me, which then I could connect back to my own work and actually also enjoy other parts of it. But I feel there's something, this animalistic energy from the inside, which I really love. C'est très allégorique, tout l'objet, le piano, plus les objets, plus la situation violente d'écraser des choses, et aussi écraser les meubles du piano, et de le presque détruire, c'est allégorique. Le piano, pour moi, je suis pianiste, donc le piano, ça fait partie de mon corps. Le fait de travailler le piano de cette manière, de le manipuler, de l'abuser, de le violer, c'est presque comme si je me le faisais à moi-même. La singularité de Weg, ce serait son côté extraverti et complètement absurde en même temps. Donc c'est tous ces personnages différents qui sont presque occupés à crier quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, ça peut paraître assez bruyant. De l'intérieur en tout cas, et je pense de l'extérieur, et en même temps, c'est comme si ces voix différentes venaient parler exactement de ce même endroit de recherche d'extase ou de recherche de joie, en fait. Ouais, peut-être que dans Weg, il y a une recherche de la joie.
j'ai fait la musique de la pièce. J'ai travaillé sur un piano, que c'est mon instrument. Un piano que j'essaye de modifier. Un piano que j'essaye toujours de lui donner une place comme un objet aussi, et pas seulement comme un instrument musical. C'est un piano préparé. J'ai utilisé des CD pour mettre entre les cordes de l'instrument, des CD et des disques de vinyle. Donc après, j'ai rajouté, en plus des CD et des disques de vinyle, les boîtes de CD aussi entre les cordes, mais aussi des pièces de monnaie, des 50 centimes, d'un euro, de 12 euros. Donc il y a des boîtes de CD avec lesquelles j'ai produit aussi des sonorités sur le bois du piano. Et il y a aussi des perches que j'ai trouvées dans la salle de répétition. Mais tous ces objets qui apparaissent, ils ont marqué un chemin performatique, si vous voulez, et dramaturgique dans la performance musicale. Already in the laboratory, the lab, we were working with each individual like pilgrimage or path or trajectory, and trying to have this complexity of all of these different individuals doing their own different paths, all happening at the same time, and this creating some kind of chaos, but then it's organized. Moi, je me rappelle quand on avait passé l'audition pour la pièce, on avait fait toute une improvisation et qui s'était terminée par on devait parler du fait d'être un groupe et tout ça, puis on avait chanté la chanson We Are Family. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté un peu. Je dirais pas qu'on est une famille, blablabla, mais c'est quelque chose qui est resté, et du coup il y a une espèce de relation de complicité qui se fait beaucoup par le regard et puis dans le mouvement aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ça, de la complicité, d'un chemin, on aurait tous un chemin différent, mais pour aller tous au même endroit. I think we're all a bit in our own world, let's say, all the dancers, all the performers of the piece, we're all in our own world, but somehow it gets connected to each other. I don't know really how and when and where, but there is something who's connecting us all. I don't know if it's maybe in the work that we were working with the same songs, but everybody has his own type of movements, style of movements, which is very particular to the persons and to the performers itself. I think the piece for me, it really speaks about joy in general, and there's some animalistic or Dionysian energy in the piece, which I feel it's very vibrant, and to perform it and to watch it. I don't feel there's any pretentiousness or trying to be together or look good or that it's all too serious, but it's really everyone is diving so much into their own trajectory in the piece and connecting with each other and having fun. It's the freedom. We just said that I feel there's so much freedom and that we can connect all so much together, which often I find that in a piece it's very established or set within rules, and I feel in this piece we do have a score or we do have rules, but there's so much openness to play. Je me suis souvenue de beaucoup de scènes où je faisais la chanteuse ou la danseuse. M'est revenu des chants et des chansons que ma mère écoutait beaucoup. Et je pense que ça m'a ancré dans un endroit très spécifique pour générer du matériel. Avec des chansons de Dalida, de Barbara, de Donna Summer. Beaucoup de chansons d'amour très dramatiques en fait, mais que je voyais avec mes yeux d'enfant. Il est là pour les 8000 ans, il était doux. Comme un enfant, oh, comme un homme. J'ai mis de l'ange dans ses cheveux, un peuple danois le sous mes cheveux. Ça leur fait rire. I remember this week when we were, Ajlem proposed us to bring something to the group. So this was like one of the very first weeks of the creation to get to know each other, and she also asked us what do we really want to do, and I really wanted to lip sync to dramatic power ballads, and so I suggested we start to lip sync to Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, and it brought out this
intense passion from a lot of people, and it was quite a big release. The simplicity in putting a song on at home and to just let your body do the rest, or just let it just be. And I think that for me was nice to work again on it, because during the work or during life as a dancer, sometimes you just lose the simplicity of just having fun with just dancing and just spontaneously. So that was nice to go and to work on that. The first exercise which we did, I think, was that we started by singing songs to ourselves and we started dancing to them. And the moment that there's another song coming up in your head, you just switch and you try to take it and immediately have fun with it for yourself. So actually, in your head, it just becomes a mashup or a mix of songs which you're starting to dance to and try to have fun with it. Okay, which started. Pour moi, un des exercices clés pendant la création, ça a été... Achané travaille beaucoup avec le chamanisme et on a eu tout un exercice de tremblement où on devait passer par quatre positions différentes qui étaient la position à genoux, la position debout, je dirais recourbée du dos comme ça, et allongée. Et tout en étant dans un mouvement de tremblement très binaire comme ça. Et pour moi, ça a été un exercice qui était très important et décisif dans la création de mon matériel, parce que en fait, par ce tremblement, et j'ai atteint un stade de lâcher prise dans ma danse, et ça m'a aussi permis en fait de comprendre là où HLN voulait nous amener, peut-être dans cette idée de la transe et de laisser le mouvement faire le travail plutôt que de faire le mouvement. J'ai l'impression d'être ce personnage qui navigue, qui prend un petit peu les bateaux des autres performeurs, qui vient s'accrocher d'un à l'autre et qui se laisse un petit peu naviguer de cette manière dans l'espace, tout en restant connecté à quelque chose de très interne en tant que générateur de mouvement. Donc j'ai l'impression d'être lié aux autres par l'espace et par les regards, et en même temps d'avoir ma ligne personnelle qui est peut-être caractérisée par un mélange de mouvements qui pourraient être assez agressifs ou violents, et peut-être des mouvements très doux. Et j'ai l'impression de passer d'un registre à un autre avec cette même joie, en fait. Alors moi, les ponts que je peux faire avec la création de Wear et ma recherche personnelle, ça serait l'idée de créer des narrations qui sont éphémères et très brèves, qui apparaissent et qui disparaissent très rapidement. I tend to be quite serious, and this is what I liked, that in somehow in Wear I could really connect it. But there was so much more joy and I think more openness for me, which then I could connect back to my own work and actually also enjoy other parts of it. But I feel there's something, this animalistic energy from the inside, which I really love. C'est très allégorique, tout l'objet, le piano, plus les objets, plus la situation violente d'écraser des choses, et aussi écraser les meubles du piano, et de le presque détruire, c'est allégorique. Le piano
pour moi, je suis pianiste, donc le piano, ça fait partie de mon corps. Le fait de travailler le piano de cette manière, de le manipuler, de l'abuser, de le violer, de le... c'est presque comme si je me le faisais à moi-même. La singularité de Wech, ce serait son côté extraverti et complètement absurde en même temps. Donc c'est tous ces personnages différents qui sont presque occupés à crier quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, ça peut paraître assez bruyant, de l'intérieur en tout cas, et je pense de l'extérieur. Et en même temps, c'est comme si ces voix différentes venaient parler exactement de ce même endroit de recherche d'extase ou de recherche de joie, en fait. Ouais, peut-être que dans Wech, il y a une recherche de la joie. Donc bonjour à Chélène et Pierre. Donc cet entretien est réalisé pour le festival Dancing Host qui a lieu à Berlin, où Wech devait être présenté cet été, mais sera programmé l'été prochain. Et donc l'idée, c'était qu'on échange entre vous deux. Donc Chélène, qui est donc une danseuse chorégraphe qui travaille en Belgique depuis une vingtaine d'années et qui est en compagnonnage avec le Théâtre de Liège, entre autres, et Pierre Doubi, donc, qui est professeur de physique à l'Université de Liège. Donc en fait, l'idée, c'est d'échanger sur pourquoi vous deux, pourquoi on parle ensemble maintenant, et le fait qu'il y ait une rencontre à un moment donné initiée par le Théâtre de Liège où moi je travaille, et ce pourquoi c'est moi qui mène cet entretien. Voilà, donc nous allons commencer. Donc l'idée, c'était que dans le cadre du compagnonnage, il y avait la liberté de proposer des rencontres un peu particulières, quels que soient les sujets, quels que soient les envies du metteur en scène ou de la chorégraphe. Et donc à Chélène, il y a déjà quelques mois, il y a même une année, je dirais, était revenu vers Pierre Theys et moi en disant j'ai envie de travailler sur cette notion de théorie du chaos, donc en physique, le fameux effet papillon, en sachant que je veux le personnifier physiquement dans la chorégraphie et que donc j'ai vraiment envie d'avoir une rencontre avec quelqu'un qui pourrait m'éclairer sur les notions scientifiques, mais aussi comprendre qu'il y ait ce désir d'en faire quelque chose physiquement. Et donc, suite à cette demande à la fois particulière et que moi je trouve assez chouette, parce que c'est une forme de défi de se dire, tiens, qui va se mettre en lien avec qui donc, je me suis renseignée au sein de l'Université de Liège et donc on m'a renseigné Pierre Doubi, qui est donc aujourd'hui avec nous, et en tant que physicien. Et donc, nous avons provoqué une première rencontre dans le café du Théâtre de Liège, où là nous étions tous les trois, sur vraiment cette notion de qu'est-ce que c'est la théorie du chaos et comment cette théorie pourrait se personnifier dans un objet artistique. Et donc du coup j'avais envie de vous entendre tous les deux à la fois sur cette première rencontre et sur qu'est-ce que ça crée chez un physicien de parler de théorie plus théorique à une chorégraphe, et qu'est-ce que ça fait à une chorégraphe de recevoir toutes ces notions-là et de se les approprier. Voilà. Vas-y. Bon, la première rencontre, pour moi, c'était très proche, dans le sens que tous les choses que Pierre partagé me semblait
Oui, les langages très, très proches à ce que j'ai travaillé. Et quelque part, ça m'a donné une sécurité par rapport à mes intuitions. Il y avait quelque chose de très intuitif qui finalement était appuyé pour ces connaissances et faisait circuler justement et mettre en mouvement des choses qui n'étaient pas complètement claires de ma part. Mmh. Et est-ce que la préparation du coup en venant à ce type de rendez-vous était assez particulière pour toi, Pierre, ou au contraire tu t'es dit ben, je viens avec mes notions? Non, je suis venu sans grande préparation, j'avais beaucoup d'appréhension néanmoins parce que j'avais quand même un petit peu peur du public que j'allais affronter, qui était quand même très différent des étudiants que je voyais tous les jours. Donc j'y allais avec beaucoup de curiosité, mais quand même une petite crainte, quoi, en ne sachant pas du tout où j'allais, parce que c'est une rencontre que j'estime quand même assez improbable, hein, un chorégraphe, une physicienne, a priori, on voit pas trop, hein, disons. Enfin, bon, voilà, j'avais envie de jouer le jeu. Alors, effectivement, la discussion a commencé avec l'effet papillon, mais l'effet papillon, finalement, l'idée qu'on s'en fait n'est pas si mauvaise, c'est pas strictement scientifique, mais enfin, bon, l'idée que des petites causes peuvent donner de grands effets, c'est quelque chose d'assez connu et qui correspond quand même un petit peu à ce qui se passe. Alors, on a commencé à parler de cela, et puis on est parti vers dans des tas d'autres directions. Et la rencontre, comme dit Hélène, s'est passée assez simplement. Et tout de suite, me semble-t-il, on a senti une possibilité de dialogue, à mon grand étonnement et à mon grand plaisir, de toute façon. Et ce que je trouve effectivement très intéressant, c'est qu'il y a un imaginaire commun qui s'est créé très rapidement, parfois appuyé sur des faits concrets. Donc, tu nous as montré des images de différents lieux. C'est peut-être intéressant d'en parler aussi, qui du coup éveille évidemment une forme d'imaginaire et de fantasme sur des possibles, et qu'effectivement, en fait, le champ s'est comme ouvert sur les réflexions, parce que parfois, une explication scientifique pourrait annuler un désir de création, et j'ai l'impression qu'ici, tout a plutôt été vers un sens plus ouvert, et que là, le dialogue a pu commencer. Et donc c'est peut-être important que tu nous parles aussi des images que tu as pu amener à ce premier rendez-vous, et qu'après, vous puissiez échanger sur comment ensuite vous avez continué à collaborer. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on s'est assez rapidement finalement éloigné un petit peu de la théorie du chaos. Plutôt, on l'a envisagé dans un contexte un peu plus large qu'en science on appelle les phénomènes d'auto-organisation, dans lesquels le chaos peut apparaître, effectivement. Mais il y a un champ plus large que le chaos, donc qui sont ce qu'on appelle les phénomènes d'auto-organisation. Alors l'étude de ces phénomènes-là consiste à mettre en évidence et essayer d'analyser, de comprendre comment certains systèmes physiques, mais en l'occurrence ça va après cela devenir une troupe de danseurs, hein, donc c'est un petit peu là que se trouvait le défi, c'est là que se trouve la charnière d'une certaine façon. Donc comment certains systèmes physiques peuvent s'organiser spontanément. Enfin, c'est le mot, c'est ça l'auto-organisation. Donc ça veut dire que des systèmes physiques parviennent à se structurer, soit dans l'espace, soit dans le temps, sans que cette structure, sans que cet ordre soit imposé de l'extérieur. Donc il y a vraiment quelque chose de spontané, une émergence d'une structure qui vient seule. Alors les conditions pour qu'une telle structure puisse apparaître, il y en a quand même, évidemment, ce n'est pas tous les systèmes physiques qui peuvent s'auto-organiser, mais les conditions, disons, minimales, c'est qu'il y ait plusieurs acteurs et que ces acteurs puissent échanger les uns avec les autres. Donc il faut qu'il y ait des contacts, hein, qu'il puisse y avoir des actions des uns sur les autres. Et il faut aussi que le système, dans sa globalité, soit d'une certaine manière nourri d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on l'alimente, mais il est important de comprendre que cette alimentation n'est pas la structure elle-même. Donc on nourrit le système de manière un peu fluide, disons, hein. On fait entrer de l'énergie, c'est un mot un peu global, et grâce à cette énergie et grâce aux interactions entre les acteurs, apparaît quelque chose qui n'est pas là a priori. Alors il y a des tas d'exemples, effectivement, il y a des jolies images, on peut montrer de jolies images de ce genre de phénomène. Alors ce que je vous avais montré, c'était par exemple un phénomène d'une couche de fluide, donc c'est simplement un fluide que l'on dépose horizontalement dans une
casserole, dans une poêle, et que l'on chauffe par le bas. Alors ce chauffage se fait de manière parfaitement uniforme. C'est-à-dire que le chauffage est le même partout, la température est la même partout en bas, et de même la température est la même partout en haut. Donc le fluide lui-même est plongé dans un environnement qui est parfaitement uniforme horizontalement, donc il n'y a pas de structure dans les directions horizontales. Et puis tout d'un coup, lorsque ce chauffage devient suffisamment important, le fluide se met en mouvement. Donc ça veut dire qu'il apparaît des petites cellules de convection, comme on appelle ça, c'est-à-dire des petites montées de fluide ici, des petites descentes là-bas, etc. Et puis toutes ces petites particules de fluide se parlent, si je puis dire, et s'organisent les unes avec les autres, et puis apparaît comme ça soudainement une assez magnifique structure, je trouve, avec des petites cellules hexagonales où le fluide monte au centre, descend sur les côtés, et puis tous ces petits hexagones s'arrangent les uns à côté des autres, et on observe une très jolie symétrie. Alors ces structures hexagonales qui apparaissent dans le fluide ne sont en rien pilotées par l'extérieur. Encore une fois, l'extérieur est parfaitement uniforme et le système refuse cette uniformité, si je puis dire. Donc le système parvient à créer une structure, en l'occurrence ici une structure spatiale, qui ne lui est pas imposée de l'extérieur. Donc ça a quelque chose d'assez magique, à vrai dire, hein, parce que je pense que communément, on conçoit plutôt que si un système se trouve dans un environnement uniforme et qu'il reste dans cet environnement uniforme le temps de s'y adapter, que quand il s'y adapte, il va aussi être uniforme, évidemment. Et ce qui est magique, encore une fois, du fait des interactions, c'est parce que les particules des fluides se touchent les unes les autres, se bousculent les unes les autres, que de proche en proche, la structure se crée. Mais du seul fait de ces interactions et du maintien de la différence de température, donc il faut qu'il y ait un flux d'énergie qui traverse le système, de ce seul fait-là, une structure peut apparaître. Alors c'est essentiellement à partir de là, me semble-t-il, que le nœud s'est noué, si je puis dire. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se demander, enfin surtout à Hélène, parce que moi je n'ai aucune compétence, mais a pu peut-être imaginer comment on allait pouvoir essayer d'intégrer ça dans un spectacle de chorégraphie avec des danseurs qui sont évidemment les petites entités microscopiques qui interagissent les unes avec les autres, et puis avec un moteur extérieur. Alors le moteur extérieur, je ne sais pas très bien. J'ai imaginé, surtout après avoir vu le spectacle, j'ai imaginé que ce moteur extérieur, c'était sans doute la musique, en fait. Hein, qu'il y avait cette musique qui ne dictait pas le mouvement des danseurs, évidemment, hein, mais qui était quand même là pour entretenir une dynamique et voilà, les interactions des danseurs entre eux, la musique qui menait la danse, si je puis dire, a fait qu'une structure apparaissait sur la scène. Donc c'est un petit peu comme ça que je me suis raconté l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. Je vais peut-être un peu trop rapidement à la fin, mais bon, voilà. Oui, pour moi, quand j'entends ça, comme chez travailler dans mon imaginaire, c'était, j'essaye toujours que les danseurs, ils sont une contradiction. Ça veut dire qu'ils fassent deux choses à la fois, au moins, et qu'ils la mettent au mouvement pour créer quelque chose, peut-être les magiques, qu'on ne peut pas les définir, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne les voit pas très clairement, mais qui crée une curiosité, quelque chose qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas les savoir qu'est-ce que c'est. Et d'un coup, cette contradiction de soleil qui chauffe et qui met les choses à travailler, ça m'est parlé dans le travail que je mène et que j'essaye de faire. Aussi, bon, ça me fait penser à une interview d'une chorégraphe que j'adore, Deborah Hay, qui dit quand un danseur, un interprète, il est trop dehors, bon, il se perd. Quand un danseur, il est trop dedans, il se ferme. Il faut toujours être dans un équilibre de contradictions et d'oppositions. Et c'est notre travail qui est très difficile, parce que des fois, on va trop d'un côté ou de l'autre, mais oui, ça me servait parce que ça appuyait déjà quelque chose qui était en route. Je me souviens qu'au début, j'étais en Argentine et j'étais avec mes enfants au musée des sciences. Il y avait une table, un peu avec des mouvements, quand j'étais deux balles, et qu'on voyait
les systèmes, bah, une possibilité de chaos, parce que les balles, on ne savait jamais où ils allaient. Je disais, waouh, ça, si on pourrait faire ça chorégraphiquement, oui. C'est un truc non linéaire. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la nature, par exemple dans un endroit comme ça, qu'il y a tellement de feuilles, les troncs, tellement de mouvements, tellement de matières et tout ça, ça cohabite et ça pourrait être chaotique, c'est chaotique parce qu'il y a beaucoup, il y a trop et à la fois c'est pas chaotique, c'est harmonique et oui, j'avais un désir très grand aussi de faire quelque chose de non linéaire. Des chaotiques, mais d'organiser quelque part, qui ne soit pas. Et donc ça se répond bien effectivement avec cette notion. Tout d'un coup, c'est comme si les auto-organismes ou les acteurs, comme tu dis, ou les danseurs avaient comme la permission de faire différemment. Et c'est ça que je trouve intéressant. Enfin, on va parler un peu plus longuement après du spectacle en soi, mais c'est comme si ça ouvrait un champ du possible de travailler différemment. Sur base de ces expériences-là ou de ces explications-là. C'est assez proche de la notion de chaos en science. Effectivement, le chaos en science a quelque chose de chaotique au sens commun du terme, donc de désorganisé, d'imprévisible. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il se passe n'importe quoi. Il y a quand même une structure à l'intérieur de cela. Hein, et le système ne peut pas se comporter n'importe comment. Il est un peu imprévisible, mais il y a quand même des balises, disons. Hein. Alors on donne souvent l'exemple de la météo et les ailes du papillon là, qui peuvent déclencher une tempête, etc. C'est un exemple de météo, ça. Mais la météo est effectivement chaotique. Hein. Il peut se passer des effets surprenants, des petites causes, grands effets. Mais il fera jamais une température polaire à l'équateur et une température tropicale au pôle Nord. Ça, c'est pas possible. Donc je veux dire par là que l'imprévisibilité a une certaine limite, d'une certaine manière. Et donc le chaos au sens scientifique du terme, et qui correspond un petit peu à ce que tu viens d'écrire, comprend bien cette notion cette opposition quoi, entre quelque chose de partiellement imprévisible, mais de néanmoins partiellement contraint également. Oui, je pense qu'avant, j'avais un peu péché de trop de linéalité et de trop d'imprévisible. J'avais créé un espèce de... Frankenstein, indominable, et que j'avais tellement envie de, pour une fois, utiliser mon côté un peu obsessionnel, organisé, mais dans quelque chose qui soit plus complexe à lire et que les spectateurs puissent avoir les choix de les lire à sa façon. Parce que, a priori, il n'y a pas de premier plan, il n'y a pas... Tout est un peu... Mais chacun va être attiré pour un danseur et après pour autre chose, que peut-être on va voir différentes pièces. Et j'avais déjà vu ça dans des pièces de danse très... que j'ai trouvé chaotiques, sans qu'elle soit et toujours avec cette liane avec la nature. Je vois tout d'une façon chorégraphique, je vois un policier qui fait comme ça, une voiture, c'est ça, c'est chorégraphique. Je vois les feuilles, chacun a ses petites obsessions, passions et la nature, c'est vraiment quelque chose de impossible à copier, mais très inspirant. Tout à fait. Beaucoup de scientifiques, l'observation de la nature, Léonard de Vinci le faisait déjà. Enfin, je veux dire, c'est comme une espèce de base. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas dans l'application. On est vraiment dans la réappropriation de tout ce que Pierre a pu amener ou dire. Et je trouve que ce qui est assez fascinant, en tout cas dans le résultat du spectacle, c'est que cette liberté, elle se ressent, mais il n'y a pas le côté foutoir, il n'y a pas le côté effectivement bordélique, et il y a une grande ludicité. C'est très très amusant, aussi bien pour le spectateur, et j'imagine aussi pour les danseurs, enfin ils ne sont pas là pour le dire, mais je ne sais pas comment ça va vraiment passer la création, mais j'ai l'impression que cet aller-retour justement sur ça existe en physique, et il y a des exemples de la nature,
Donc permettez-vous, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez chouette aussi là-dedans, sur le fait de se dire que vous ne partiez pas de nulle part, c'était pas réinventer une page blanche. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que Pierre a pu amener comme matière, parce qu'à un moment donné vous êtes rencontré avec les danseurs aussi, a rendu comme possible le fait qu'on pouvait aussi ouvrir les imaginaires dans cette structuration. Enfin, oui, ouais. Bah, en tout cas, Pierre est venu deux fois aux répétitions, mais après, les danseurs disaient « Ah oui, ça restait, ce que tu as dit, c'était vraiment des choses qui sont prises et qui se sont appropriées pour le travail et qui ont trouvé des liens comme « Ah oui, ça, les contradictions qui se mettent en mouvement, l'énergie qu'on doit mettre, comme le soleil. » Bah, c'était des images très simples, mais qui ils ont suivi vraiment la création. Et ce qui est très chouette aussi dans le résultat, c'est qu'il y a un rapport très à la fois collectif et individuel, mais qui correspond exactement à ce que tu as expliqué tout à l'heure, où tout d'un coup, c'est, enfin, je vais mal résumer, mais chaque petit organisme qui va se structurer pour créer une forme de collectivité. Et ça, je trouve que c'est extrêmement visible dans le spectacle. Et c'est ce que tu soulignais aussi, c'est que du coup, on peut choper telle ou telle forme, telle ou telle... individu qui fait telle ou telle chose, il n'y a pas la star et les autres. Le fait qu'il soit neuf aussi crée quelque chose de très parfois perturbant et parfois très collectif aussi. Et quand je dis perturbant, c'est qu'effectivement on aura envie de voir au moins 9 fois le spectacle pour se dire je vais suivre, ce qui est impossible. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très foisonnant positivement dans ce qui est proposé. D'autant qu'il y aura peut-être 9 spectacles différents aussi. Peut-être, oui. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Et qu'on sent aussi qu'il y a une grande part où chacun a amené de soi dans le projet. Je trouve qu'il y a une forme d'intimité, mais pas du tout voyeuriste dans ce qu'on peut voir, par les costumes, les petites chansons personnelles, des choses comme ça. Mais tout ça s'organise donc ce que je trouve intéressant, c'est que ça parle aussi d'une forme de société qui s'organise ou qui n'arrive pas à s'organiser, avec beaucoup d'humour, encore une fois. Et donc, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on aurait pu se dire, ah, elle a plutôt travaillé avec un sociologue ou un anthropologue sur les sociétés, que sais-je. Enfin, et pas du tout. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout d'un coup, les grilles de lecture sont aussi beaucoup plus ouverte, alors que le point de départ est vraiment cette théorie du chaos, finalement. Donc, Oui, c'était un moment, j'ai un peu rêvé ou fantasmé que mon rôle de chorégraphe, c'était plutôt de créer les structures, ou de créer l'espace, de donner les chemins, bon, le titre de la pièce est chemin, de croiser ces chemins, mais que les danseurs individuellement devaient apporter ou créer leur propre partition. Ouais. Même, bien sûr, j'ai participé, j'ai guidé, j'ai donné, oui, j'ai les amené à un endroit où ils pouvaient trouver des choses, mais c'était un travail très personnel. Est très personnel parce que, bon, c'est drôle, mais un jour, je vais dans un anniversaire, je m'éclate en dansant, j'ai dit, oh, mais je danse. J'ai tellement de plaisir à danser, je suis chorégraphe, pourquoi mon travail, c'est pas ça. Je veux revenir à cette espèce de plaisir de bouger, mais pas un plaisir pornographique dans le sens je montre que j'ai des plaisirs. Non, un plaisir intime, un plaisir prêt, un plaisir que peut-être ça se voit pas, mais que c'est plutôt des tripes. Et d'un coup, oui, ça c'était un grand déclic de se dire je veux que les autres aillent des plaisirs. Et ça, c'est un déclic dans ton travail en général ou c'est vraiment lié à ce projet-là? J'imagine qu'à partir du moment où il y a ça, tu veux continuer, ouais, à partager ce plaisir. Parce qu'effectivement, quand tu vois les spectacles précédents, il y a quelque chose de beaucoup plus, tu le disais tout à l'heure, contrôlé, mais fascinant aussi, parce qu'il y a comme une répétition et un côté
presque comme de la transe comme ça, mais qui du coup crée aussi quelque chose de positif, dans tout cas en tant que spectateur. Et ici, c'est vrai que le côté bordel organisé est beaucoup plus comme généreux et jouissif. Est-ce qu'il y a un aller-retour où est-ce que tu en es là maintenant dans ta recherche chorégraphique? Moi, je me suis dit tous les chemins amènent à Rome. Mais ce n'est pas la même chose d'aller à Rome sans chaussures, avec la pluie, avec des vents, que sous le soleil, en dansant. Sous le soleil, avec des amis. Et je me suis dit, je vais m'écarter d'un chemin que, quelque part, ça ne me donne pas des jouissances, même si les produits finaux, il est super intéressant, il est fort, mais j'avais envie aussi de que, bon, j'ai lu beaucoup sur les habilités soft, essayer de travailler différemment, et c'est pour ça qu'il y avait un côté dans chaque chemin, dans chaque interprète, de trouver ça pour soi, et comment j'ai connecté tout ça, que pour moi c'était le côté plus physique, peut-être, je ne sais pas du tout, mais moi je voyais les connexions, je voyais, ok, on fait ça, et toujours essayant d'être le moins prédisible possible. Et ça, c'est une question que je me suis posée après le spectacle. Est-ce que tout était vraiment bien cadré? Est-ce que chaque pas était vraiment décidé? Ou bien est-ce qu'il y avait une part de spontanéité au moment même du spectacle? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on faisait 9 fois le spectacle, ce serait peut-être 9 spectacles différents. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est les deux. C'est à la fois très cadré et très libre. Ouais. Les deux, mais les deux sont strictement ensemble. Ça veut dire tous les espaces et tous les timings sont très, 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 très calés. Toutes les matières sont définies, mais à l'intérieur de ces matières, il y a quand même une part de liberté. Et l'émotivité de la personne au moment même. Oui, des regards, par exemple, les regards, ils ne sont pas calés à la seconde, mais ils sont spontanés. Mais les regards, ils savent qu'ils vont se regarder. D'un coup, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'à cette pièce-là, j'avais presque pas donné aux interprètes cette liberté et cette confiance. Je voulais tout contrôler. Et cette fois-ci, je me suis donné un cadre sûr, dans le sens que j'avais la confiance pour lui donner cette partie de spontanéité, mais qui est très, très ciblée. Est-ce que dans les 9 danseurs qui travaillent avec toi, il y en avait déjà avec qui tu avais déjà travaillé et qui ont vu du coup l'évolution, ou c'était que des nouvelles personnes, ou quelle était ta relation à chacun finalement? Ouais, en fait, il y a Léa, qu'on a fait déjà. Léa, c'est la pianiste, 6 pièces ensemble. Marc, qu'on a commencé en 2011 avec David. Avant, je pense qu'en 2010, on a commencé à travailler ensemble et on a fait presque toutes les créations ensemble. Et après, il y a toute l'équipe d'Autochtonos qui sont 3, Jean, Daniel et Marc. Bah, tout non, parce qu'il y a une des danseuses qui est partie aux États-Unis. Il y a 2 danseurs que j'ai rencontrés dans des laboratoires, parce que aussi j'ai voulu partager et rencontrer des gens, et une audition. Et c'est qu'il y a une partie de l'équipe, que c'était la première fois que j'ai travaillé, mais dans l'audition, j'ai invité tout le monde. C'est que je savais qu'ils allaient être dans la pièce. Et mon sentiment, c'était que je n'ai pas choisi les gens. C'est comme que si les groupes seraient... C'est créé tout seul. Il y a... correspond aussi à ce que tu racontais tout à l'heure. Oui, c'était incroyable. C'était des gens, soit qui ont fait l'école ensemble, qui se connaissaient parce qu'ils savaient travailler ensemble. En fait, tous les groupes
pas entre les nerfs, connaissait quelqu'un. Et d'un coup, cette connivence a fait que le groupe s'est révélé. Mmh. J'avais pas l'impression. Il y avait une confiance, en fait. Oui, ouais. Et c'était. Oui, c'était très, très impressionnant. Je pense que j'ai aussi, j'étais calme pour pouvoir les voir. Mmh. Parce que des fois. Ouais. Et Pierre l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a toute la relation avec Léa qui est aussi très importante dans tes pièces. Enfin, il y a comme un aller-retour entre vos deux créations. Enfin, toi, tu donnes le ton et le cadre, mais c'est vrai que son implication, même physique, avec le piano ici, est absolument fascinant. Et c'est clair que la musique, voire non-musique, par moment, parce qu'il y a aussi des moments comme chuchotés ou presque silencieux, mais qui créent une tension musicale, est aussi très, très forte. Quel est aussi votre rapport de création avec tout ça? Elle a un rapport quand même physique, elle finit par démolir cet outil qui est piano, ce qui doit être pour elle, à mon avis, absolument terrible et amusant. Je ne sais pas très bien. Mais est-ce que, voilà, parce que vous vous connaissez depuis longtemps et à la fois, c'est chaque fois des choses très différentes que vous mettez en place ensemble. Est-ce que tu peux quand même évoquer un peu ce rapport-là? Ouais. En fait, cette pièce, elle était différente. Parce qu'avant, on travaillait plutôt les danseurs comme en unisson, c'est que ça faisait la danse et la musique, bon, la relation était plus facile. Là, comme chaque danseur avait comme sa propre musicalité, c'était un autre chemin. En fait, pour moi, c'est 10 chemins et elle a créé son chemin et sa dramaturgie à l'intérieur. Oui, de cette, bien sûr, elle a un statut différent parce qu'elle a les pianos, elle a des actions, elle s'élève, elle casse des choses. Et, oui, je pense qu'on a passé vraiment un autre stade dans notre relation et dans son investissement musical. Mais même l'organicité dont tu parles, elle en fait complètement partie et tu n'as pas l'impression qu'il y a la musique d'un côté et les danseurs, même si physiquement, c'est effectivement spatialement dans un espace. Et c'est vrai que c'est le danger avec ce genre de création, c'est que tout d'un coup, il y a comme une pièce du puzzle qui ne rentre pas. Et là, effectivement, ça fonctionne, mais parce que physiquement, elle est très, très engagée quand même. Ça doit être assez fort, à mon avis, pour elle. Même émotionnellement, enfin j'en sais rien, je ne la connais pas, mais on voit une telle implication dans ce qu'elle propose que je trouve ça assez fort aussi, et un respect avec les autres danseurs. Enfin, mais c'est vrai qu'elle est impliquée physiquement, ça c'est sûr. Oui. Ouais. On continue un peu ou vous voulez qu'on arrête? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Bah, peut-être qu'on peut quand même effectivement parler, parce qu'on a finalement peu parlé du spectacle en soi. Enfin, si, on en parle par bribes, mais peut-être le côté, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est cet objet-là, dans toute l'organicité dont tu parles, avec toutes les informations que Pierre a menées, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est ce spectacle-là, dans cette forme-là, comme ça? Et moi, j'ai aussi, par extension, du coup, envie de poser la question du... C'est pas qu'il y a un WEC 2, 3, 4, 5, mais est-ce que, du coup, tous ces processus-là et ces modes de travail-là, cette collectivité-là, est-ce qu'elle te donne envie d'autre chose? Qu'est-ce qui fait que ça rebondit? Enfin, c'est une double question à la fois sur l'objet du premier spectacle et sur le déclic que ça pourrait donner pour une suite. Oui, pour moi, c'est un spectacle très important parce que c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup dans... Des fois, il y a bon, les résultats artistiques. Mais pour moi, un spectacle, ce n'est pas seulement un résultat artistique. C'est vraiment tous les processus, les rencontres. C'est un travail de fourmi, de lire un truc, aller voir et faire une relation. Et tous ces petits parties se sont alignés dans un sens cohérent. Cohérent et bienveillante. Mm. Et d'un coup, oui, ça c'est pour moi, c'est la réussite totale parce que oui, ça devient un objet que j'aime et un processus que je voudrais continuer.
Comment, oui, c'est peut-être plus sensible. C'est, je pense que j'ai accepté de travailler avec des autres parties de moi que j'avais un peu mis de côté. Comment, bah, je pense que j'aime beaucoup les ridicules, j'aime beaucoup travailler avec les choses qu'on essaye de cacher et qui sont présentes, ils sont pas. Que ça, mais il y a la multiplicité. Je me suis dit, et la complexité. Moi, j'aime bien quand j'essaie de me regarder, toutes mes parties. Il y a des parties, bien sûr, que je ne voudrais pas y avoir, mais que je n'ai. Et que j'essaie de les accepter et de les montrer. Et d'un coup, cette multiplicité de contenus. Et cette complexité, oui, je pense qu'il y a une acceptation de la multiplicité et la complexité, d'un coup, un côté ludique, un côté, je ne vais pas le dire, mais peut-être raté, ou un côté, oui, d'accepter tout ce qu'on est, et pas seulement de montrer ce qu'on est bon, ou ce qu'on fait bien, et de jongler avec tout ça, et de la relation avec l'autre, cette relation qui peut être tout, qui peut être, c'est pas un truc, c'est plusieurs choses, et que ça change, c'est... J'ai dit, ok, si l'eau peut être de la vapeur, peut être eau, peut être de la glace, mais nous aussi. Et je pense que je voudrais continuer dans ce chemin parce qu'il est, il est plus agréable. Et par rapport aussi à la relation de travail, donc sur le point de départ, on était sur le côté... rencontre improbable et en quoi Pierre ça t'a aussi potentiellement nourri ou étonné de voir que tout d'un coup toute cette matière-là se personnifie dans un spectacle. Est-ce que c'est du coup quelque chose qui s'est aussi un peu transformé dans ta manière même de donner cours, que sais-je, ou de réfléchir autrement, ou pas tant que ça? Si quand même, je pense que c'est quand même une certaine affleure. En tout cas, j'étais très surpris de la des interactions avec HLN d'abord et puis avec les danseurs ensuite, et j'étais vraiment très surpris de leur curiosité, de leur intérêt pour des questions scientifiques, alors que encore une fois a priori ça me paraissait vraiment peu probable, quoi. C'est vraiment un défi que d'imaginer que ça pourrait marcher. Vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à leur apprendre un petit peu avec les mains, finalement, hein, des choses un peu qualitatives. Hein, je ne suis pas allé dans des détails techniques, mais je trouve que imaginer qu'une curiosité scientifique de ce genre-là existe en dehors des cercles de scientifiques, je trouve ça assez intéressant, quoi. Et donc je repars avec cette idée que finalement la science n'est peut-être pas si austère que ça, qu'il y a moyen d'intéresser d'autres cercles et de nourrir d'autres, c'est pas seulement les intéresser, parce qu'après l'intérêt, ça a permis la création, ça a permis le spectacle, et donc je trouve que c'est un retour assez gratifiant de l'expérience avec. Et quand tu vois le spectacle, tu te dis, ah oui, cette telle chose, c'est une application concrète, ou c'est plus chou que ça, non? Comme dit HLN, tout n'est pas toujours explicite. Non, bien sûr. On voit quand même, enfin en tout cas moi je croyais voir dans ce spectacle une espèce de structuration, d'organisation, et je voyais ces regards que tu évoquais tout à l'heure. On voit que les danseurs se parlent, quoi, pas en mots, mais on voit qu'ils interagissent énormément, et donc je trouvais ça aussi très intéressant, effectivement. Donc c'est une espèce de domaine d'application de ces matières scientifiques que je n'aurais pas imaginé. Il faudra emmener les étudiants voir le spectacle. Universalité encore plus grande que celle que qu'on croit appliquer. Que j'avais déjà pu rencontrer. Quoi. Tout à fait. Donc effectivement, c'est très gratifiant de voir cet intérêt suscité chez un public que je n'avais jamais imaginé pouvoir capter. Oui, moi, par rapport à ça, j'ai trouvé que dans la nature et dans les explications de Pierre, il y a un côté très subtil.
une subtilité que, oui, que des fois, oui, que pour moi était prioritaire. Après, je ne sais pas si c'est si subtil que ça, mais j'essayais de travailler sur ça, et sur une invisibilité, sur un travail qui devient presque invisible à la place de vouloir montrer, d'essayer de les cacher, mais en sachant sur quoi on travaille. Et autre chose, c'était que finalement, peut-être ça, c'est... J'ai l'impression comme qu'on fait tous la même chose. Comment... Bon, il y a bien sûr la distance des études, mais... Quelque part, on est en train de manipuler la même matière dans des autres formes. C'est pour ça que la rencontre, elle n'était pas distante. Je pense que des premiers jours, j'ai senti que je comprenais profondément, pas rationnellement, mais profondément ces processus, ces phénomènes. Et que quelque part, je me souviens que Pierre avait dit oui, on peut pas prendre la nature et étudier tout. D'un coup, on prend une partie. Et quelque part, dans le travail artistique, il y a une envie de ça aussi. Peut-être pas de l'étudier, mais d'essayer de s'inspirer. De s'approprier aussi. De s'approprier, ouais. Ben, en tout cas, merci à tous les deux et surtout merci au festival de nous avoir permis cet échange que je trouve très agréable. On pourrait continuer encore des heures, mais je crois que c'est intéressant. Ça a donné l'essence et du spectacle et de la rencontre. Et j'espère surtout que des spectateurs pourront voir ce magnifique spectacle. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. Bon, je voudrais remercier les festivals parce que c'était très bon, une situation très inédite et justement dans cette bienveillance, c'était très bienveillant la manière où ils ont travaillé avec les artistes pour prendre des décisions ensemble, pour communiquer, pour réfléchir ensemble à la meilleure manière pour analyser les différentes situations dans les pays. Et dans des situations comme ça, c'est très agréable de sentir qu'on est ensemble. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Très bien, merci. Je vous remercie toutes les deux, hein, Edith pour m'avoir invité, Chélen pour la collaboration, le plaisir de travailler dans ce nouveau cadre. Merci à tout le monde. Merci. Voilà. Welcome back to studio. Thank you so much, Chélen. That was really touching. You know, it makes me miss dance and the dancing buddies. They are something really special. So we live in hope that one day we will see the company here with us on stage in the future. So before we say goodnight, I would like to do a little bit of housekeeping. And those who have joined us now later, my name is Virve Sutinen, and I'm the artistic director of Tanssim August, now some kind of a self-acclaimed TV host here. So I will do some housekeeping at the end for tomorrow, so you know about tomorrow's program. So Ligna, dissemination everywhere, is tomorrow at UFE Studios, and the show starts at 4 o'clock. We will open the door. If there is any door to public space, we will open it at an hour before. We are asked you to come before 22 because you will get headphones, as those who saw the film earlier, you will get headphones so that you can participate in the choreography. There is no late entry. I'm sorry about that. You should go to our website and make sure that you have a ticket. So do that now. Then, on Sunday, we will have a special event with Jamil Olavale-Kosoko, American chameleon. And for this event, we have a rehearsal tomorrow for you. So,
If you are insecure of using Discord, the gaming platform, you can join us tomorrow at 4 o'clock to test. And this, all the information for testing, you can find in our website. It will be in English and in German. And we are happy to guide you through the secrets of this new format. Also, you are always welcome to join us. The public viewing space outside our how-to is open every day from 4 o'clock on. There is a food truck, so there's drinks and some snacks for you. When it comes to the evening's program, it's good to make sure that you have a seat. This means, again, go on a website, make sure you have a ticket, it's for free. But as you know, for security and safety reasons, we do have to know who is there and we have to limit the access. But as it is, you're very welcome. So check in one of the nights in the 10 coming days and be sure we can squeeze most of you in. Then the rain check, actually for Ligna, I would like to still add that if it's not pouring rain, then you are very welcome to come over. If it rains cats and dogs, then check the website if the show is going to happen. And tomorrow we have a full program and it starts at 8 o'clock here in the studio. And we will start by talking about 1,000 Scores, introduction to this project, which is initiated our own Berlin people. Cornelius Buschke, Helgard Haug, and David Helbich will discuss with me about the scores and the ideas that they are putting forward on their new online performance platform. After that, we will have the very first Happy to Listen. This is a very special Happy to Listen with two wonderful Indigenous artists, Victoria Hunt from Australia and Emily Johnson from the US. They will discuss about the activism and the art, how do those two things go together for Indigenous artists. It's a discussion that I'm very much looking forward. This will be done live, and that means poor Victoria is getting up at 2 o'clock in the morning, so please join us to support our artist. Tomorrow, Victoria and Emily will also stay for audience questions, so tomorrow we have a session. After the session, after the discussion, you will always have, also have a chance to put forward some questions to a chat function. So please join us tomorrow. And so good so far. I would like to say good night. Thank you for the first day. It's been very special. We are happy to hear from you how it went and if you have any suggestions. And with nothing more to say today, good night, be safe, and see you tomorrow.